Christophe Nicolas, 37 ans, pratique les arts martiaux depuis 1989. Je suis un garçon de la cité, donc il fallait s'occuper un peu et j'avais des amis qui pratiquaient le karaté, donc j'ai intégré un club de karaté histoire de se défouler un peu. Ensuite, ça s'est enchaîné, j'ai absorbé le sport comme un loisir à part entière. Plutôt que de jouer à la pétanque au palais, j'ai préféré faire des arts martiaux. Je me suis intéressé au jiu-jitsu, je me suis rapproché un peu plus du combat au sol. Donc ensuite, lié d'amitié avec d'autres amis et on a trouvé ça très complet. On y retrouve un peu de karaté, un peu de self-défense. Il y a des approches différentes. On peut aussi travailler la distance que corps à corps. Et quoi qu'il en soit, dans un combat, on finit toujours au sol. Donc il fallait aussi travailler la partie terrestre. Je suis issu de La Rochelle. Donc j'ai intégré le club des Herbiers il y a 2 ans avec Laurent Maury qui m'a coaché justement au démarrage de mes compétitions parce que je faisais pas beaucoup de compétitions auparavant et où j'ai maîtrisé le combat régional où j'ai sorti premier cette année ainsi que second au championnat français. Une semaine de préparation, c'est un minimum de 3 séances de combat d'une heure et demie. Faut pas non plus trop prononcer l'entraînement pour éviter de se fatiguer sur les fins de semaine, sur les combats. Parce que ça demande quand même assez beaucoup d'énergie. C'est 3 minutes de combat intense. Et c'est pas 3 minutes de combat en apnée. Donc il faut travailler son cardio et travailler aussi son souffle. Les sacrifices, c'est familial surtout. Sinon, ça, c'est du temps. Le temps qu'on passe sur le tapis, on passe pas en famille. Ah, c'est le pire des sacrifices qu'on puisse faire. Christophe, c'est un peu un extraterrestre aujourd'hui dans le monde des sports de combat, puisque commencer la compétition à 35 ans, c'est déjà une grosse démarche personnelle. Il a un bagage technique très important, puisque lui, il est 100% jujitsuka, c'est-à-dire que il connaît le judo, mais il est avant tout jujitsuka, il travaille les points-pieds, la self-défense, les clés, les katas. Donc c'était un beau challenge pour moi en tant qu'entraîneur et pour tout le judo club d'emmener cet athlète au championnat de France. Donc il a participé l'an dernier, il avait terminé 7e sur 8. On a essayé de faire un meilleur plan de préparation pour viser un podium, et cette année il nous a offert une belle de seconde place. Laurent, je le connais que depuis 2 ans, donc très pédagogique. Découvre aussi le jiu-jitsu, mais on va dire plutôt dans le sens éducatif, on va dire. C'est par rapport à son brevet d'état qu'il a progressé en son jiu-jitsu. Et donc, avec ma connaissance et la sienne, je pense qu'on peut faire de très bonnes disciplines en jiu-jitsu aux Herbiers. Il a fallu le canaliser surtout sur sa partie physique, c'est-à-dire il a fallu vraiment qu'il tienne les 3 minutes, parce qu'à 37 ans, face à des jeunes qui ont 25-30 ans et qui sont des fois issus du milieu du judo et déjà de la compétition, c'était difficile physiquement. Et puis il a fallu aussi qu'il garde beaucoup de motivation psychologique, parce que c'est jamais évident dans un combat toujours d'affronter un adversaire, il faut avoir la niaque, comme on dit, quoi. Il faut avancer, quoi. On a deux formes de corps différentes et donc la forme qui me manque, c'est la forme que Laurent a acquérie depuis ses années de judo. C'est un club qui demande qu'à se développer au niveau du jiu-jitsu, où ils ont déjà développé le judo correctement. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'y faire participer toute mon expérience. C'est un grand atout pour nous, parce qu'il a été formé à La Rochelle par Roger Cadière, 6e Dan,
un excellent professeur et qui a été entraîneur aussi de haut niveau. Donc il a un bagage technique très important et il a aussi le sens de l'écoute, l'approche des fois un petit peu différente du coach, c'est-à-dire qu'il voit aussi différemment sa discipline et c'est important pour les élèves d'avoir des fois deux visions, deux approches et puis de rencontrer une ceinture noire qui donc il prépare sa deuxième ceinture noire là cette saison et d'avoir aussi quelqu'un qui a vécu des compétitions nationales, c'est aussi important pour les plus jeunes quoi. On va avoir un nouveau dojo. Donc on pense, suite à mes résultats et à la motivation de Laurent par rapport à sa communication, donc on pense que l'année prochaine, on va agrandir la section Jiu-Jitsu et emmener quelques personnes au combat. Je veux pas dire que je serai un jour champion d'Europe ou champion du monde. Ce serait plus de dire qu'à 37 ans, on tient encore debout et qu'on n'est pas vieux à cet âge-là. On est assez réaliste sur les sélections. Après, seul dans le système du Jiu-Jitsu, seuls les premiers participent au championnat du monde. Donc le champion de France aujourd'hui est déjà titré mondialement depuis quelques années. Donc on sait que cet objectif est aujourd'hui pas à notre portée, mais de continuer à participer au championnat de France, de garder comme objectif de faire un podium sur encore peut-être 3-4 saisons et d'emmener des jeunes qui ont aujourd'hui entre 17-18 ans à participer aux premières compétitions et suivre dans ses pas. Aussi au niveau féminin, on a des jeunes filles qui souhaitent suivre. Et puis il a souhaité faire la démarche de m'assister sur le jiu-jitsu enfant. C'est-à-dire qu'on ouvrira cette pratique l'année prochaine, dès 9 ans, pour permettre à des jeunes de pratiquer un autre art martial que le judo, qui permet aussi de savoir se défendre et de se contrôler à l'école, dans la rue. Ouais.